à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à copier, coller du texte et images sur Internet. Nous aborderons aussi les fonctions imprimer écran et outils capture sur Windows 10. Alors, à tout de suite. Donc, on se retrouve sur le bureau. Donc ici, vous pouvez vous apercevoir qu'on a deux navigateurs, Microsoft Edge et Internet Explorer. Alors, il faut savoir que Internet Explorer est amené à disparaître. Donc, le tutoriel va se faire sur Microsoft Edge. Mais il n'y a pas grande différence. Donc ici, je vais lancer mon navigateur Microsoft Edge. Et on va se retrouver sur Google. Donc dans Google, par exemple, je vais taper Quimper. Vive la Bretagne. Donc ici, je vais venir sur Wikipédia, par exemple. Donc je clique dessus. Et maintenant, je vais sélectionner une partie de texte. Donc pour sélectionner une partie de texte, je vais faire un clic gauche. Je relâche pas le clic gauche. Et je vais venir jusqu'à 2016. Donc maintenant, sur le texte sélectionné, je dis bien sur le texte sélectionné, autrement ça ne va pas fonctionner, je vais faire un clic droit, et là je vais faire copier. Donc le texte est mis, ce qu'on appelle, dans le presse-papier, ou en mémoire vive. Ici, je vais mettre de côté mon navigateur, et je vais lancer par exemple Word 2016. Mais vous pouvez lancer n'importe quel logiciel, cela fonctionnera. Donc là, j'ouvre Word 2016. Je crée un nouveau document. Et là, je vais coller. Donc je peux venir ici, appuyer sur coller. Donc là, ici, sur ce texte, je peux faire tout ce que je veux. Si je veux supprimer une partie, je peux supprimer. Si je veux mettre un peu plus gros certains textes, je vais pouvoir sélectionner mon texte et par exemple le mettre en 24, etc., etc. Si je veux mettre une couleur, changer de type d'écriture, je vais pouvoir mettre en Arial, en 14, en italique et justifier. Voilà ce qu'on peut faire. Donc je suis revenu sur le bureau, je vais repasser sur mon navigateur internet. Et par exemple, je vais aller chercher des images de Quimper. Je clique sur la photo, je veux la copier, donc je vais faire un clic droit dessus et je vais faire copier. Si je reviens dans mon Word, je vais venir me positionner à l'endroit où je veux coller ma photo et je vais faire coller. Je peux ensuite la travailler, la diminuer et la faire pivoter. Si je reprends maintenant mon image, ici par exemple je vais la réduire. On va faire une petite image. Si je reviens ici par exemple, je vais faire de nouveau un copier. Je me positionne juste à côté et je vais pouvoir la coller autant de fois que je veux. Vous voyez, j'ai autant d'images que je veux. Je réduis mon Word. Je reviens sur mon image originale ici. Je vais refaire un copier. Et je vais vous montrer, dans un logiciel de photo, on va utiliser PhotoFiltre par exemple. On va créer un nouveau document, on va mettre 1600 par 1200 par exemple. 200, je crée un nouveau document vierge.
Et là, je vais coller mon image, édition, coller. Après, hein, il est possible de recadrer l'image. Donc, je prends l'outil sélection, je vais venir tout autour. Et je vais faire image, recadrer. Et là, on n'a plus qu'à enregistrer notre image. Donc, on va lancer de nouveau Microsoft Edge. Et par exemple, ici, on va aller sur le site des Trois Suisses. Suisse. Je ferme la pub ici. Et je vais aller dans mobilier déco, lampes et luminaires. Je descends. Cette lampe ici m'intéresse. Je clique dessus. Donc vous voyez, hein, donc avec le navigateur, je vais pouvoir descendre. Donc ici, si je veux zoomer, je appuie sur la touche CTRL et plus. Donc je peux zoomer. Par contre, si je veux dézoomer, je vais faire CTRL moins. Hop, on va faire. On l'ajuste bien ici. Donc là, pour faire, je vais faire maintenant ce qu'on appelle une capture d'écran. Donc là, je vais appuyer sur mon clavier sur Imprime écran système. Donc maintenant, on va lancer Word ou un logiciel d'image. Donc je vais lancer Word, hein, ça va très bien marcher. Et maintenant, je vais coller mon image. Donc pour coller, je vais venir ici sur coller. Donc maintenant, je peux agrandir mon image. Donc ici, hein, je vais pouvoir agrandir mon image. Ce qui permet de conserver, hein, quand vous achetez sur Internet, hein, ou que vous voulez montrer à quelqu'un qui n'a pas d'Internet, hein, un produit. Alors, il existe une autre solution. Hein, c'est par l'outil capture de Windows. Donc là, on va démarrer Windows. On va venir dans Programme, Accessoires Windows. Alors, Accessoires Windows. Et je vais venir sur Outils capture d'écran. Donc là, vous avez un outil. Donc là, je vais pouvoir retourner, hein, sur Internet. Par exemple, je vais aller sur Amazon. Amazon. Sur Amazon, je vais chercher par exemple trottinette. Trottinette électrique. Adulte. Donc je clique sur le produit. Et là, hein, je reviens sur mon outil capture. Je vais faire nouveau. Alors, je déplace un petit peu mon outil capture. Nouveau. Et là, je vais pouvoir faire ma capture d'écran. Donc là, je clique et je fais un petit carré, un rectangle selon mes besoins. Donc là, ma capture est terminée. Donc là, il est venu dans le logiciel de capture. Là, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Je vais venir, hein, par exemple, dans mon dossier téléchargement. Je vais non pas l'enregistrer en PNG, mais en format JPEG. Et là, hein, je l'appelle trottinette. Et enregistrer. Donc là, je peux refermer, je referme, je peux ouvrir ce que j'ai capturé dans un logiciel de photo. Donc, si je fais fichier ouvrir bibliothèque ce PC, pardon, téléchargement trottinette, j'ouvre et je vais avoir, si je veux recadrer éventuellement, je reprends l'outil sélection. Hop. Je prends ma trottinette ici. Hop, hein, ou hein, si on va recadrer comme ça. Et je fais image, recadrer. Et là, j'ai plus qu'à réenregistrer de nouveau.
Pour les images, on va aller voir comment copier une image éventuellement. C'est de nouveau Internet. Et je vais aller sur 500 pixels, par exemple. Hop, 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 500 pixels. Donc là, je vais venir sur 500 pixels. Je vais rechercher une image, par exemple, paysage. Allez, celle-ci m'intéresse. Donc la photo arrive. Donc pour la capturer, donc soit je relance mon objet capture, donc démarrer programme, accessoires Windows, outils, écran capture. Donc là, je vais faire nouveau. Et je vais venir ici et je vais capturer mon image. Alors attention, hein, sur 500 pixels, normalement, hein, vous n'avez pas le droit de capturer les images. Ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!